Gay Friendly. L'émission tous les samedis de 14h à 15h30. Bienvenue à l'émission Gay Friendly. Bon, on n'est pas samedi, on est vendredi soir exceptionnellement. Demain, parce qu'on est tous, où demain? À la Gay Pride. Demain, donc vous êtes à l'émission exceptionnellement ce soir de 21h à 22h30. Toute l'actualité LGBT de la semaine, qui est rare un vendredi soir, je précise. Donc oui. Ce soir, il va pouvoir se lâcher, n'est-ce pas, Brice? Je tiens à m'excuser auprès d'Yassine de ce que je vais dire dans la soirée. D'accord. Au moins, ça qu'il soit pas choqué. S'il veut pas être choqué, il écoute pas et puis donc, c'est tout. Donc bonjour à tout le monde. Ceux qu'on n'a pas l'habitude de nous écouter à cette heure-là, c'est l'émission LGBT. Donc LGBT qui veut dire lesbienne, gay, bi et trans. Voilà. Donc je suis accompagnée de Grégouille. Il va dire bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour Hubert. Bonsoir. Bonsoir. Alors, j'ai un invité quand même cette semaine. Notre partenariat depuis un an avec nous. Nous, on n'a pas le droit de dire bonjour. Attends, je fais un tour de table. Sandy de l'association Gay Free. Bonsoir. Voilà, il est avec nous pour participer à l'émission pendant une heure et demie. Et il sera avec nous demain à la Gay Pride pour faire le défilé. On va dire ça, faire la fête avec nous. Bon, Brice, bonsoir. Hein? Bonsoir. Bonsoir. Ouais, oh. Fais ta voix sensuelle. Bonsoir. Voilà. J'en étais sûre. Oh, vous avez entendu qu'il y avait Annabelle, hein? Bah oui, voilà. Toujours. Coucou à tout le monde. Toujours à côté de moi. Voilà. Et on a Émilie qui est là, toute seule, derrière son PC. Oui. Qui dit salut. Voilà, qui dit bonsoir. Alors, donc, programme chargé parce qu'on a un invité. Et puis, on a le chat aussi qui est disponible. Qui s'occupe du chat? Surtout à la Annabelle. Et moi. J'aimerais bien savoir qui c'est. Nom du jour. Nom du jour, parce qu'il a l'air de me connaître. Ouais, ah, bah, aussi, Mister, alors, on ne sait pas. Ça serait pas Benoît par hasard. Donc, alors, comment on fait pour aller sur le chat de Gay Free? Parce que je pense que c'est. www.gayfree.fr.ht. Voilà. Et vous cliquez sur. Cliquez ici. Voilà, de retour à l'émission Gay Friendly, exceptionnellement vendredi soir, cause de Gay Pride demain. Mais on est content d'être avec vous ce soir parce que on est de bonne humeur, on est en direct et voilà, on fait profiter ceux qui n'ont pas l'habitude de nous écouter vendredi soir de notre émission. Voilà, donc c'était un petit morceau Electra, donc c'est un groupe anglais, je me rappelle, très très lesbien, on va dire. Je te passerai le CD. Ouais. D'accord. J'ai qu'un titre, hein, laisse tomber, j'ai que là. Je suis là. Faut que je commande l'album. C'est vrai, parce que ça, c'est vraiment bien et c'est très sympa. Donc, on va continuer avec Gay Free. Alors, vous êtes combien dans cette association? Alors, 52. Non. Si on doit compter en tant qu'adhérent, on peut dire une petite dizaine. Si on doit compter en global, on peut dire une bonne trentaine, quarantaine. D'accord, ok. Donc, dans toute la France? Dans toute la France. Bon, c'est pas mal déjà. Pour un an pour d'existence. On n'a même pas encore un an d'existence, ça sera le mois prochain, mais c'est déjà pas mal pour un début. C'est déjà pas mal pour un début. Donc, tu as le site internet qui. Le site. Non, c'est Strauss-Kahn là, qui m'a perturbé là. Bah oui, il est sorti de prison là. Ça y est, ça a coupé l'émission là. Pff, non. Il est sorti de prison? Bah oui, il vient sortir. Après avoir sorti son kiki des voilà. Articles présents. T'as tout compris. Donc, le site internet, il fonctionne très bien, je dirais même, quand même, bilan. Oula, il y a tellement de choses à dire. Donc, d'abord, le site, on commence d'entrée, le site, c'est www.gay-free.fr. Merci. Sur ce site, on peut dire qu'il est assez complet, il y a plein de choses dedans. Bon, il y a des services comme le chat, évidemment, le chat de Gay Free, qui n'est pas un site de rencontre, mais un site amical et convivial. D'accord. Voilà, qui est aussi un des sites pour les permanences d'écoute, pour ceux qui en ont besoin, pour ceux qui sont... ceux qui ont besoin d'être écoutés, tout ça, ben, notre site, notre chat qui est fait pour ça. Ensuite, il y a Gay Free Radio qui est sur le site, évidemment. Et puis il y a plein d'articles, notamment parce qu'on est très très pointu sur les textes de loi, notamment sur les discriminations et l'homophobie, et puis divers articles, des blogs, des infos, voilà. Voilà, donc toute l'info LGBT oui, à fond, Media, People, tu soutiens aussi des artistes qu'on a reçus ici, Monis, Fredacton, Florian, tout, de toute façon je ne suis pas difficile au niveau des artistes, je passe tout le monde. Voilà,
Donc, site plutôt sympa qui a beaucoup évolué tout au long de l'année, je précise. C'est vrai, moi je l'ai vu changer quand même par rapport à ce qu'il y avait au début. Et ce que tu as mis. Voilà, enfin. Au tout début, c'était un forum. Je sais pas si tu te souviens, c'était un forum et un chat qui est devenu un site au mois de février avec, bon, avec pas mal de défauts au niveau esthétique qui a évolué petit à petit. Et qui prend une certaine ampleur. Oui. Voilà, donc non, mais c'est bien. Il y a beaucoup de documentation aussi sur ce site. Oui. T'as beaucoup d'actu où se renseigner pour avoir de l'aide. Enfin, je veux dire, c'est bien fait. Je trouve qu'il est pas, il est bien fait. Moi, je vais pas dire que c'est le meilleur site du monde. Mais non, mais je trouve que c'est clair. Tu vas à l'essentiel et c'est intéressant. L'adhésion. Comment on fait pour adhérer? Alors, pour adhérer, il faut aller sur le site de Gayfree. Et il y a le menu en haut qui s'appelle « À propos de l'assaut ». D'accord. Et il y a marqué formulaire adhésion 2010-2011. Alors, il faut une précision, c'est que les adhésions fonctionnent de septembre à août. D'accord. Donc, ceux qui veulent adhérer maintenant, je préfère, il vaut mieux qu'ils adhèrent en septembre pour éviter qu'ils soient là pour normal. 2 mois. Et le prix d'adhésion, c'est 10 euros l'année. Oh, c'est que dalle, quoi. C'est très peu par rapport à d'autres associations qu'on connaît. C'est sûr, c'est clair. Non, mais c'est bien que tu le dises, parce que s'il y en a qui veulent faire du militantiste, enfin. Oui. Je ne sais pas si ça se dit, mais... Du militantisme, plutôt. Oui, voilà, merci de me reprendre. Mais non, mais c'est bien, au moins, c'est une asso qui représente bien... non, mais c'est vrai qu'il y a des assos qui sont un peu morts, qui disent beaucoup de choses, mais qui ne font rien. Donc moi, je tenais à le dire que tu es là et que tu fais des choses et que tu te déplaces. La preuve, tu es là aujourd'hui. Malgré qu'on a pas mal de critiques, parce que comme on fonctionne beaucoup sur Internet, et on a énormément de critiques à ce sujet-là, mais... Je vais pas dire. Mais enfin, quand même, on en est. Je veux dire, franchement, Internet c'est l'avenir, la télé c'est l'ancêtre. Parlons franchement. Soyons clairs, oui. Qu'est-ce qu'on a vu hier Moi, je sais pas si vous avez regardé l'affaire Strauss-Kahn, mais ça tweetait, mais c'est à fond quoi. En moins d'un quart d'heure, même 3 minutes après, t'avais l'information. C'est comme ça. C'est l'évolution des nouvelles technologies. Il faut se mettre au goût du jour. Voilà. D'accord. Donc, Internet, c'est le. Mais tous les jeunes de 14-15 ans, ils regardent plus vraiment la télé. Faut dire ce qu'il y a, ils sont sur Internet. Bah oui. Facebook, Twitter, n'est-ce pas, Annabelle blog. Voilà. Oui, donc, je confirme. Donc, bon, bien sûr, ils regardent certaines séries, mais la télé. Bon, heureusement, la TNT a fait que les gens regardent un petit peu plus. Mais je pense qu'il n'y aurait pas eu la TNT, honnêtement. Ça serait pire, quoi. Ben voilà, regarde le marché du disque, c'est pareil, il se casse la gueule. Avec les téléchargements, tout ça. Téléchargements, c'est l'avenir, c'est pas... Bientôt, on n'aura plus de format CD, quoi. Honnêtement, je pense qu'il y aura du... Pour les grosses maisons de disques, genre... Je cherche. celle de Johnny Hallyday, la AZ, ou des Universal. Choses... Voilà, Universal, Virgin, qui ont toujours des artistes qui sont là pour vendre du CD... Mmh. En gros, en bloc, mais finalement, il n'y en a plus tellement de temps que ça. C'est un marché dur, quoi. Enfin, le marché du disquaire est en sursis. Voilà, je tenais à le préciser. Non, mais ça devient dur. Donc, c'est pour ça que je dis l'avenir est quand même dans les nouvelles technologies et que tu as bien fait de développer ton association sur Internet parce que c'est le cœur du... Enfin, c'est le moment, quoi. Voilà. D'accord, merci. Non, mais c'est vrai. C'est pour ça que nous, on fait aussi, on a diffusé sur Internet. On a bien fallu qu'on passe... sur le net aussi, hein. C'est le but, c'est que tout le monde puisse nous écouter partout dans le monde et c'est ça.